Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode et peut-être dernier épisode de Crux, The Big Heist. Peut-être dernier, ben oui, parce que là on est toujours dans la base Murray, là toujours la mission numéro... Ben, je crois que c'est 16 ou 17, je sais plus, qui est je crois la toute dernière mission. Après, il y en a peut-être une ultime qui est encore cachée et tout ça, parce que bon, ben en fait je sais pas. Bref, et nous sommes encore à un niveau chronométré, 10 minutes, donc j'ai un peu checké, hein. Il est quand même plus complexe que les autres. J'avoue que je n'ai pas encore solutionné tout ce que j'allais faire dans ma tête pour avancer, mais c'est pas grave. Alors, première chose, déjà, je vais prendre Rufus. Rufus, 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 tac, tac. Et elle aussi, tac, tac et tac, parce qu'il y a lui qui peut les voir arriver. Et puis on est parti. J'aime pas, c'est stressant. Alors. Ok, c'est bon. Tu vas pouvoir sortir. Toi aussi. Du coup, les autres peuvent arriver également. Le topo, en fait, ça va être d'enfermer lui directement là-dedans. Donc, j'ai besoin des deux là, vu qu'ils sont les deux seuls à avoir un spray. Bloc-porte. Hop, comme ça, nous, on est déjà tranquille. C'est nickel. On va pouvoir aller tranquillement, taquin, s'occuper de choses. Alors, lui, je dois le garder avec moi. Donc finalement, c'est pas toi. Toi, tu viens là, c'est déjà bien. Toi non plus. Ok, on va y arriver. Ne t'inquiétez pas. Tout va bien, all is good. Parce qu'on va s'occuper tout de suite. Ouais, tu vois, tu vas le prendre. Tu vas actionner ça. Je suis coincé. Je suis coincé, bah ouais. Voilà, on a défait la caméra. Donc ouais, je peux avancer mes deux petits ici. En fait, il y a un truc avec les trucs comme ça, et c'est chronométré, donc en fait, je sais pas trop ce que ça active ou que ça active pas, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Donc je vais les mettre là. Ok, donc ça ouvre bien ces deux portes-là. Ok, j'ai compris. J'étais pas sûre que ça ouvre les portes ici, parce qu'en fait, il faut aussi être sur ces trucs-là pour activer autre chose. Enfin bref. Bon, après, il y a plein de caméras, et pour l'instant, je peux pas les faire, parce qu'il faut aller jusqu'ici. Donc maintenant, on entre en jeu. Porte d'acier, tu as une clé, donc c'est nickel, tu vas pouvoir ouvrir. Et lui, j'en ai besoin, puisque il y aura un mur fendrier à casser ici. Ah, il voit pas ici, ça c'est bien. J'étais pas sûre parce que bon, c'est quand même assez dans l'angle ici, mais j'étais pas sûre. Mais en fait, non, il voit pas. Ok, très bien, parce que vous voyez, il y a un petit trésor à aller choper. Donc ça, c'est good. Ah mais, je peux pas aller là parce que justement, il y a la cam. Je suis con, j'ai l'Obkovitz qui est là. Vas-y, tu peux défaire la caméra. Tout baigne. Tam tam tam. Tu vas venir, eh bien, faire ça, te mettre là. Ça me paraît pas mal. Alors, pendant que eux ils sont partis, tu vas venir récupérer. Toi, tu vas venir récupérer ça, voilà. Ils sont ici dans le salon, tout va bien. L'Obco est là. Ça fait quoi? Ça réouvre ici. Mais là, on peut pas trop y aller parce qu'il y a la caméra et qu'il faut désactiver ici. Okay. Bon. Tout va bien? En soi, on est pas mal. Il va déconnecter ça. Ça, j'ai déjà le... C'est déjà open ici. Finalement, je m'en sors peut-être mieux que je ne pensais.
Je vais les mettre où? Je vais en faire quoi? Salut. L'objectif c'était d'aller par là. Ouais. Je sais pas en fait quand faire ça. Il y a peut-être que quand ils sont... Quand il est comme ça qu'il faut qu'ils tracent comme ça, mais c'est très tendu. Peut-être que je peux pas en fait. Il faut que je passe par là. Après, vous voyez, je peux pas... Bref. Toi, du coup, toi, t'es free ici. Tu peux venir là? C'est pas vrai! Qui a fait ça? Chouette! Des intrus! Mais il les voit quand même! Oh, bah j'ai... C'est fini. Pas compris, moi. Mince, j'ai merdé. Ah oui? Bah écoutez, il y aura bien eu un fail, finalement. Hein. Mais non, parce que dans l'axe de sa vision, il voyait pas... Mais je comprends pas pourquoi il les voit, là. Bon, écoutez, tant pis, hein. Comment ça, 8 minutes 23, vous m'avez arnaqué? Mais bon, c'est le jeu, mon pauvre Lucette. Tu vas... Ah, faut faire les gardes-retour, ok. Et maintenant? Ouais, maintenant, vous restez sûrement pas là, il va vous griller, donc je serais dommage. Tu viens là? Je veux. Et toi, tu viens là? Chouette. Ah, mais en fait, il se tourne... Ouais, mais il se tourne comme ça, ce con. Ouais, donc c'est mort, en fait. C'est mort. Ok, je compris, je vais charger. Un truc un peu plus vieux. Ah, pas beaucoup non plus, hein. Bah, avant, voilà, on va charger ça, c'est très bien. Parce que, voilà, j'ai pas fait attention qu'ils voyaient tout ça, et ça sert à rien, je me ferai toujours avoir. Donc, faut bien tricher un petit peu. Voilà, 9 minutes 4, ça c'est bien. Ah ouais, j'étais avec ici, ok, bien sûr, on va remettre les infos sur les gardes. Elles, eux, ils sont pas encore rentrés, de toute façon, ils peuvent pas tracer. Je sais pas trop quoi faire d'eux. À la limite, je pourrais envoyer elle ici. Bon, je vais pas les toucher, mais je vais faire bouger l'Obkovitz. Comme bah, j'avais fait. Hop. J'ai coincé. Ça c'est déjà fait. Sans que t'électrocuter, mon petit. Je suis en train de voir, mais... Ce serait plutôt pour faire comme ça, en fait, que j'aurais dû... Cela, il y a un safe. C'est intéressant, le safe. Et où est-ce qu'il y a un chalumeau? Oui, je l'avais vu. Il faudrait qu'elle aille... Elle pourrait y aller chercher le safe en passant par là. Mais il faut qu'elle chope le chalumeau qui est là. L'Obco, il peut pas y aller. Elle pourrait. On a des destructeurs... Ici. Non, ça c'est le terminal de caméra. Ah, il est là. Après, j'ai combien de destructeurs? J'en ai 3. 1, 2. Ben oui, ben, ça va. Hein. Du coup, c'est assez bien. Hein. Faut juste que je puisse foutre Bishop là-dedans. Mais la caméra, faut la désactiver. La caméra, c'est là pour arriver là. Faut passer par ici. Et repasser par là. C'est la seule entrée là. Oh la vache, mais c'est pas possible. Vous voyez comme quoi j'ai vu des choses sans tout voir. Hein. C'est la seule entrée. À part là. Ouais, il faudrait que je rentre là, mais il faudrait que j'aille là. C'est complexe, hein. Je vous l'ai dit que c'était complexe. Ouais. Faut arriver à aller là. Bah, le seul moyen, c'est ça, mais ça veut dire qu'il faut se faire choper par la caméra. Je suis déjà en discret, j'ai plus d'aimant. Est-ce qu'il y a un aimant? Oui, il y a un aimant, là.
pas d'autres aimants dans le coin. Le mannequin écho. Une fourche Tesla. Ouais. De toute façon, il sait déjà qu'on est là, Murray, donc bon. Pff. J'ai envie de dire, hein. Ok, bon, je sais pas trop comment gérer. Parce que même ça, ça sert à rien. S'il faut que j'ai. Tout le monde. Et ça, c'est ici. Faut quand même que j'accède à ce coin. Ouais. Faudrait que je renvoie. Je vais en renvoyer un. Ça va barder. En avant. Voilà. Elle, elle est passée et elle peut servir de renfort. Elle peut venir ici, par exemple. Elle peut passer là. Lui, il est en train de partir. Ce serait très très bien. Mais elle aura que accès ici. Il y a un safe. On pourrait venir chercher le truc de safe. Le bloc porte. En fait, faudrait qu'elle rentre ici aussi. Ouais, mais y a, en fait, il y a tellement de choses. Cette porte-là, elle s'ouvre que si ces trois trucs sont enclenchés. Ouais, parce que... Et puis comme ça, j'ai pas besoin de les faire... Et puis pour ouvrir ça, quoi. Oh. Ouh là 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 là! C'est compliqué, cadeau, hein. Bon, bah, je vais me remettre à réfléchir. Ok, j'ai une idée. Une grande idée, ou peut-être pas. Déjà, je vais faire venir lui ici. En fait, elle, je vais la faire venir là, se tenir là-dessus. Lui, après, je vais le faire venir là aussi. Je les aurai tous les quatre ici. En attendant, lui, je vais lui faire aller choper ça. Dès que lui, il aura le dos tourné. Donc oui, il faut attendre, c'est un peu chiant. Mais j'ai pas trop de solutions. Toi, tu sais pas défaire les trucs, hein. Ouais, non, tu sais pas faire ça. Donc, je serai obligée de me faire gruger à la caméra. Dans cette pièce-là, j'enverrai Bishop. Bishop qui, du coup, entrera ici et fera ce qu'il faut ici. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait, ça communique directement. Tout en pétant ce truc-là. Bon, par contre, alors à la cam... J'enverrai maintenant ce qu'il aura désactivé. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Allez. On se rassure comme on peut, hein. Ok. Tu peux venir chercher. Oh, comment ça a été tout juste, Auguste? Et tu peux revenir. C'est parti. Je sais pas, je me dis qu'on aura peut-être besoin de toi. C'est pas vrai. Qui a fait ça? Ok. Bishop. Je suis prêt. Tu bouges. Et maintenant? Tu te remets là. Oui. Bishop, tu viens. Tu désactives ça. De toute façon, voilà. De toute façon, autant se faire voir tout de suite. Je vais pas appuyer là tout de suite parce que sinon, dès qu'il sort, il va se refaire voir par la caméra. Donc maintenant qu'il a été vu par la caméra, il va rentrer dans le local et va tout faire pour enlever les caméras en fait. Pendant que lui, bon, il revient bientôt, mais c'est pas tout de suite. Et j'ai pas d'aimant, donc tant pis. Hein.
Voilà, comme ça maintenant ça s'est défait. Et tu peux revenir là. Bien sûr. Et toi, eh bien tu peux venir là. Tout simplement. Fast! J'ai pas pensé! Oh, ça me gonfle! Bon, bah, c'est pas grave, on va recharger. Mais non, c'est pas que t'as merdé, c'est que j'ai pas pensé que le gars allait avoir une vue plongeante sur toi, quoi. C'est chiant, des fois. Des fois, c'est bien pensé, mais des fois, c'est chiant. Du coup, il faut faire attention et tout. Ok, ça c'est bien. Ouais. Il faut que tu bouges. Une petite seconde. Attends, il a réagi parce que la porte est ouverte? Ah ouais, on va pas l'ouvrir tout de suite. Du moins, attends. Serrure accrochée. Ça n'a pas d'incidence sur cette porte, non. Ok, tu peux aller là alors. Attendez. Et là? Salut? Non, elle est sur cette porte là. Il faut qu'elle aille là. Oh là là, mais c'est compliqué! Au travail! Ouais, viens ici du coup faire montrer à quel point t'es souple. C'est quoi le topo? Ah oui, c'est vrai que les infos ont disparu. Est-ce qu'il va se faire voir? Non, normalement c'est bon. Donc vous voyez, maintenant j'ai ça d'ouvert. Sauf qu'ils sont tous les quatre pris. Donc je peux pas aller ici. C'est très compliqué en fait. Vu que ça bloque pas en fait, ça bloque pas la porte en ouverte je crois. Donc vraiment je pense pas. Hein. Voilà, ça bloque pas du tout la porte. Donc c'est très chelou, je sais pas du tout comment je dois faire. Franchement là c'est complexe. Tu vas bien? Ah ouais, ça va bien, ouais. Mais écoute, toi tu peux venir ici déconnecter ça, ce serait cool. Ah bah oui, non, c'est vrai, parce que là, ça a refermé la porte. Non, en fait, c'est trop chelou, moi, je... Ouais. Faut pas forcer. Je comprends rien. Oui. J'ai pas compris quelle porte ouvre quoi. C'est trop chelou. Mais punaise, c'était pas celle-là? En avant. Moi, je comprends rien. Je ne comprends rien. Bon, alors, elle ouvre... C'est celle-là et celle-là. Ah oui, d'accord. Ah, tu peux venir là, alors. Mais ouais, mais je perds du temps, mais je comprends pas comment, pourquoi, en fait. Sauf que là, est-ce que le gars, il va te voir? J'en ai aucune idée. Jouer le tout pour le tout. Hein. Je suis sûr qu'il va le voir. Voilà. Allez. On va recharger. On va recharger là, c'est bien. Ça m'énerve parce que du coup, comme c'est pas clair au niveau des boutons, là où il faut se mettre pour activer tout le merdier, je comprends pas tout. Mais c'est pas grave, hein, on va y arriver, hein.
sinon, c'est, vous savez, j'ai d'autres dimanches dispo pour terminer ce jeu, c'est pas grave. En gros, lui, il va pouvoir aller déconnecter ici, dès qu'il tournera le dos, comme ça moi c'est fait. Et on va aller appuyer là. Il faudra juste venir ici après, mais comment? La seule porte, c'est là, et ah ouais, parce qu'il faut que... Il faut qu'il y en ait un qui sorte pour aller là. Le problème, c'est que j'ai besoin des quatre. Ah non, il y en a que trois des trucs. Vous voyez comme c'est pas clair en fait. Ok, j'ai compris. Ok, d'accord, j'ai compris. Très bien. Bon, on va prendre son mal en patience. 6 minutes 20. Lui aussi, je pourrais le coincer. Mais il a pas le bloc-porte avec lui. Bon, on va attendre qu'il fasse son tour de garde. Hein. Est-ce qu'il faut que je vienne dans ce coin-là aussi? Lui, ce serait cool de le coincer. Hein. Ce serait hyper cool. Qui a un bloc-porte? Toi. Mais toi, tu gardes la porte ouverte, justement. Ok, qu'une seule porte. En fait, pourquoi ils disent qu'il y en a... Ouais, est-ce qu'il y en a trois? Voilà. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux venir là? Est-ce que t'as le temps de venir là? C'est complexe. Ça marchera pas. Tu vas bien? Ça va. Tu peux me déconnecter ça du coup? Et maintenant? Tu viens là. Ok, nickel. Tu peux venir. Et hop, comme ça on sera débarrassé. Technico spy. Hop, hop. C'est pas vrai. Qui a fait ça? Ouh, ça fait du bien. Ok. Toi. Serrure accrochée. Je sais pas, tu peux venir là, on va ouvrir. Ouais, il y a une cam qui est juste là. On peut plus... ouais, si. Ah si, on peut... Ah si, il y a un petit conduit. Alors, bon, la porte de la sortie. La porte de sortie est ouverte, je répète, la porte de sortie est ouverte. Oh, faut juste que j'arrive maintenant à arriver dans ce vestibule ici. Il n'y a qu'une seule porte, et celle-là. Donc, faut retourner 1, 2, 3... Et je vais envoyer elle, la roquette, ici. Elle peut se filtrer par là, donc ok. Ok, c'est très très bien. C'est very good. Ouais. Tu peux choper ça, du coup, sur ton chemin, et puis vous revenez. Je suis prêt. Le safe... je vais le faire, le safe aussi. Je suis à 5 minutes. Non, par contre, toi, tu bouges pas. Tu restes là où t'es. C'est parti. Et là, vous venez là. Je me dis que bon, par contre, ici, bah, j'ai fait ce qu'il fallait ici. J'ai pas récupéré certaines choses. Mais c'est pas grave. Ok, donc, bah, toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir à sa place à elle. Et toi, tu vas venir là, par exemple. Mais j'ai... Reste là. C'est Bishop que je voulais faire venir là. C'est pas comme ça que ça marche. Bah si, regarde. On va y arriver. Toi, Bichette, tu viens là. Une
Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. La porte est ouverte là. Après, c'est pas très très grave parce que je m'en fous maintenant. Oui, bah non, en fait. Alors, attendez. C'est Bishop qui va bouger. Voilà. Lui, il s'en va. Hein. Tu vas passer. Tout de suite. Et Bishop va revenir dessus. Oh là. J'ai peur. Pour qu'il rouvre la porte et qu'elle puisse y aller. J'ai coincé. Je crois que c'était lui qui faisait un truc, mais... lui, c'est vraiment un garde d'élite. Le but, ce serait de choper le chalumeau. Bien sûr, quand il a le dos tourné. Donc, quand il faut qu'il fasse un tour complet. Après, je l'envoie dedans, je lui fais faire ça. Et on repart. Normalement, là... Je peux les tous les faire partir de leur de ça. Normalement. Technicos pareil. Ah. Ça marche quand même avec ces foutues portes à la con ici en fait. D'accord, ok, très bien. Ça je m'en occuperai après. Il va falloir que elle, surtout. Il va venir. Normalement, il la voit pas. Voilà. Je commence à avoir l'habitude de ce jeu. Faut attendre qu'il fasse son tour complet. Normalement, c'est bien. Là, je suis juste. Je veux prendre le safe, le coffre-fort. Et puis le coffre. Le coffre-fort. Le coffre-fort, bien sûr. Il faut qu'elle aille dans ses pas. Pour aller choper le chalumeau. Donc il faut que j'attende qu'il revienne. Je me mets au plus près de l'action. Elle l'a eu, elle l'a eu, elle l'a eu, elle l'a eu, elle l'a eu. Elle l'a eu. Ça va faire du bruit. Bah tant pis. Ah oui. Ah mais ça va, c'est rapide. Oh, cool. Tu prends la porte d'acier, stop. Non, tu sors pas tout de suite, il va venir. Pas la porte d'acier. Alors, pendant ce temps-là. Je vais régler mon histoire. Tu vas te mettre là. C'est-à-dire que l'Obco peut sortir. Mais tu vas... Qu'est-ce que tu veux faire? Sauf que j'ai peur qu'il se fasse voir et il va se faire voir. Donc tu vas te mettre là. Ouais, s'il était sorti, il aurait vu. Alors, tu vas du coup aller là-dessus. Et après, je pourrais faire sortir les deux. Oui. Et comme lui, il vient de se tourner, elle, je peux la faire sortir également. Je vais la planquer là. Ok. Au travail. Nickel. Ça va barder.
va bien ? Nickel. Maintenant, dernière ligne droite. Il peut pas le voir, hein, ouais, voilà. Oh, qu'ils seront en train de faire ça, et eh ben ils vont passer par là. Niel, bah tu vas venir les rejoindre aussi. Ça, je les aurai quatre au même endroit et ça sera beaucoup plus facile pour moi. Il reste 2 minutes 25, j'ai pas tout fait. Ouais, ouais. Mais... Je suis prêt. Hop. Non mais tu sais bon, c'est incroyable, ils interagissent avec le moindre truc. Oui. Tac. Et maintenant. Et tac. Technico spy. Ouais. Ah, mais toi, je t'ai déjà fait venir là. Salut. Salut. C'est quoi le topo ? Le topo, c'est que normalement, on a fini l'émission, là. Qui a fait ça ? Ah, mais il me stresse, là. Oh. Pardon. Je vais éviter de vous faire aller dans tous les sens. Merci. À chaque fois. Vous mélanger vos chemins. Regardez-moi comme ils sont beaux. Allez. Ouais, moi aussi. Ça va nickel. Oui. Tam tam tam. Tiralam. Pim pam pam. Tadam. En avant. Allez. Technico spy. Vaste. Ouais, je sais. Ça me fait rire des planqués. Serrure accrochée. Vous allez voir comme je suis. C'est parti. Et maintenant, au travail. Parce que s'il se retourne... Ouhou ! Yes ! Oh, c'était galère, hein. C'est... Non ! Oh ! Quel... Franchement, c'est magnifique comme animation, vous êtes d'accord, hein. Et j'ai réussi ma mission ! Ta-ta-ta-ta ! Avec quelques fails, hein. Mais réussi quand même, hein. Non mais dis donc... Pfiouf, 39 minutes, rien que ça. Eh bien, j'ai pas vu passer, moi. On est suspect. Ouais, bah ouais, j'avais plus d'aimant, je pouvais plus le faire. Nouveau record. Ouais, c'est pas terrible, quand même, 96 000. Hein. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Ouais. Et on a volé de l'argent. Moins 9 000 en pot de vin, quand même. Oui. Mais écoutez, c'est une mission rondement menée, pas mal quand même, hein. Je vais voir si c'est vraiment la fin ou si encore une mission. 4 de la vie, ah bah oui. Donc, ok, on va voir ça. Enfin des remous. Chers auditeurs, flash spécial concernant ce bargeau qui faisait des vagues en ville l'autre jour. C'est visiblement son jour de chance. Les gardes-côtes signalent un tremblement de terre au large de la côte. Secousse sismique, vague gigantesque, la totale. Difficile d'estimer à ce stade l'étendue des dégâts. Les rapports officiels font état de 7 serviettes trempées, 3 châteaux de sable balayés par les vagues et hélas, un maître nageur qui a perdu ses dents. Oh, le pauvre. Encore une journée bien barrée dans la baie de San Francisco. Et qui sait ce que la nuit nous réserve. Bref, les amis, plus que jamais... Sortez couverts. Et pour vous changer les idées, voici le nouveau single de Rudy Laboum. Et c'est Groovy Girls. Rudy Laboum. C'est tout ? Il y a des jours où je suis un peu déçue. Oh, j'ai fini le jeu ! C'est vrai, quoi. Ça aurait été plutôt cool de mourir tous ensemble, en héros. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on sauve le monde. Mieux vaut que personne ne le sache, parce qu'au final, c'est moi dans merde. Et en plus, ça nous évite d'avoir à rendre la pierre de lune. Sans parler de l'USS Blowfish, qu'allions-nous en faire? Chacun avait son avis sur la question. Mais nous avons le chic pour retomber sur nos pieds, et nous avons fini par trouver de bons compromis. Quand les choses se sont tassées, Don Cesare a repris sa vendetta contre Julian Ortega. Le bonhomme de neige, comme tout le monde l'appelait,
avait riposté suite à la lettre de Césarée. Il avait commandité un casque l'histoire retiendra sous le nom de Sachet Roller Doll. J'ai appris que Silverman Johnson s'était marié. De la bouche de Kitty Horn, son actrice préférée. Bien sûr, Ringo Flamingo a eu quelques déboires lui aussi. La Ça, c'est tous les méchants chez qui on est allé. Hein. Et plus étonnant encore, la loterie de l'Argo. Il a été traîné en justice. C'est étonnant, parce qu'avant la fête du siècle au Pink Feather Club, cette loterie n'existait pas. De temps à autre, on se demandait ce que Murray était devenu. Mais au final, c'était sans importance. Bah, il n'était pas on dans sa base. On enfin débarrassé de ce fumier. La pierre de lune était à nous. Ouais. Et on formait à nouveau une équipe. Oh ben voilà, j'ai fini le jeu, mais c'est trop cool, bordel. Ah, je suis super contente. Moi, j'ai kiffé faire ce jeu. C'était excellent. Par contre, ben du coup, je pense que je vais essayer les challenges parce que j'ai débloqué beaucoup de challenges dans le jeu. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah, trop drôle, les développeurs. Mais donc du coup, la semaine prochaine, je vais essayer les challenges du jeu en espérant du coup que, eh bien, ça vous plaise. Oups là. Voilà, j'ai tout fait. Je suis trop fière. Je suis beaucoup trop fière. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais faire un ou deux challenges du jeu et on verra ce que ça donne, tout ça. Et puis on verra si je change de jeu ou si j'arrête de faire le petit jeu le dimanche matin. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.